Bonjour, je suis dans les rues de Saint-Nazaire. La pluie a cessé, le soleil est revenu et il semblerait même que le vent se soit calmé. C'est top parce que ce matin je vais traverser le pont de Saint-Nazaire. Il y a quand même quelques kilomètres de marche sur le pont pour traverser la Loire. Et on aperçoit le pont là-bas au fond. Non, bah, je pensais pas marcher déjà autant avant le pont. Je pense que j'ai déjà fait 8 km. Je continue de longer la piste cyclable. Et du coup, ben, j'espère que normalement, ça va me permettre d'arriver pile au pied du pont de Saint-Nazaire pour le pouvoir le traverser à pied. Voilà le pont. J'ai pas pensé à regarder la distance. Je vais regarder, je vais vous dire. Donc a priori, bah voilà, on peut accéder à pied. Il y a un petit trottoir. Je viens de passer juste devant un arrêt où il y a une navette qui prend les cyclistes. Et éventuellement aussi donc les piétons. Il m'a dit que si je voulais, je pouvais prendre la navette avec lui, c'est gratuit, juste pour traverser le pont. Mais en fait, bah, j'ai envie de traverser le pont à pied. Je pense que ça doit être absolument incroyable. Bon, je vois quand même que ça monte, ça risque de faire un peu les cuisses. Mais bon, c'est le jeu. Nous y voilà. Donc voilà le petit trottoir. 3356 mètres de long. Et ben on y va. Eh ben, contente d'être arrivée de l'autre côté, contente de l'expérience. Waouh, c'était fort, c'était beau, c'était, il y avait du vent, c'était décoiffant. Ouais, c'était chouette. Je suis contente de l'avoir fait. Bah, y avait quand même beaucoup de vent là-haut. Donc 3 km 356 sur un petit trottoir de 50 cm de large.
Ben, en effet, on n'emmène pas large en fait. Mais je suis contente d'avoir franchi le pont, symboliquement aussi, d'être passé sur, d'avoir atteint l'autre rive. Voilà, il faut parfois faire preuve de témérité pour passer d'une rive à l'autre. Je suis contente, c'est chouette. C'est chouette. Ça fait du bien d'être un peu plus au calme, moins secoué par les éléments, le bruit, les voitures, les camions. Ouais, c'est un peu le calme après la tempête. C'est ça finalement, passer d'une rive à l'autre. Hein. C'est passer par une zone de turbulence aussi souvent. Ça décoiffe. Ça secoue, ça nous secoue un peu dans tous les sens. Et puis de l'autre côté, ben, on retrouve à nouveau un peu plus de calme. On peut retrouver un autre rythme, un autre tempo. Et peut-être bien que les choses sont déjà un peu différentes. Il est quand même impressionnant.